सर पे साया है, हम कर हाथ चलना सिखाओ हमें, प्यार की थपकियों से सुलाओ हमें, आसान नहीं चुकाना इनको हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों je ne sais pas comment. Mais Amrish a découvert mon secret. Je ne savais plus quoi faire. Il a voulu profiter de la situation. Et a commencé à me faire du chantage. Soigny? Tu as fini par aller voir le médecin? Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Le médecin? Ah, oui. Il n'a rien dit de spécial. Il a dit que tout allait bien. C'est une excellente nouvelle. Mais même si tout va bien, tu arrêtes les tâches ménagères. Donne-moi ça. Et ne reviens pas tant que le repas n'est pas prêt. Non, Gayatri, tu n'es pas obligée de faire ça. Je peux m'occuper de tout. Anche est rentrée du travail, tu dois aller lui tenir compagnie. Tu peux y aller. Allez. Voyons, tu n'as pas à le faire toute seule. Tu as entendu ce que je t'ai dit ? Et qu'est-ce que tu fais encore ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? Soigny, j'ai envie de te dire quelque chose depuis hier, mais je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai commis une erreur pendant notre voyage de noces. Qu'est-ce que tu as fait ? On a rencontré une copine de fac d'Ange. Elle s'appelle Sarah. C'est une fille très intelligente, avec beaucoup de style. Enfin, tout le contraire de moi. En la voyant, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit que je ne méritais pas Ange. Son amie était tellement élégante et moderne. Comment a-t-il pu épouser une nigaude comme moi? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris peur à l'idée de perdre Ange. J'ai eu tellement peur que je ne trouve aucun mot pour décrire ce que j'ai ressenti. Soigny, j'ai déjà eu beaucoup de mal à me marier avec Ange. Je ne supporterai pas de le perdre. Je ne le supporterai pas. Gayatri, tu n'as aucun souci à te faire. Personne ne vous séparera jamais en chez toi. Tu peux me croire. Fais-moi confiance. Allons-y. Bonsoir, Saloni. C'est bon de te voir. On va dîner tous ensemble ce soir. Les autres nous rejoindront plus tard. D'accord ? Saloni, qu'y a-t-il? Tout va bien? Non, je n'ai pas faim, c'est tout, Soigny. Mais c'est ridicule. Tu n'as rien avalé depuis hier. Tu vas tomber malade si tu ne manges pas. Allez. Non, merci. Je vais juste boire de l'eau et dormir un peu, c'est tout. Où est passé tout le monde? On meurt de faim, donnez-nous vite à manger. Je vous félicite, vous arrivez en retard, comme si vous étiez des VIP. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça fait un moment qu'on vous attend. Bien sûr.
On est des VIP ici, tu n'es pas d'accord? Alors qu'est-ce qu'on... Eh, salut Saloni. Tu m'as déjà évité ce matin, et là tu m'évites encore? On dirait que tu ne m'aimes pas. Je suis pas aussi méchant que ça, hein? Elle t'a évité, tu dis? Oui. Elle allait quelque part ce matin, alors je lui ai proposé de la déposer. Mais le temps d'aller chercher mes dossiers, elle était déjà partie. N'est-ce pas, Saloni? C'est vrai, non? Non, non, ce n'est pas du tout ça. J'étais juste un petit peu pressée. Il fallait que j'aille chez le tailleur. C'est tout. Et est-ce que le tailleur exige que tu viennes le voir toute seule? Tu ne comprends rien? J'étais juste pressée, c'est tout. Je ne vois pas où est le problème. Je vais m'occuper de Virage. Ange, s'il te plaît, essaie de la laisser tranquille, tu veux? C'est juste qu'elle est malade depuis hier. Allez, oublie ça. Passons à table, avant que ça ne refroidisse. Suani, il me faut du lait pour Virage. Oui, bien sûr. Tu sais, je suis très contente que tu dînes avec nous tous. Quels que soient les problèmes ou les difficultés, il ne faut jamais s'isoler des autres et rester dans son coin. Ce serait une grosse erreur. C'est ce que j'ai essayé de faire, Suani. Mais je ne peux plus rester. Je ne peux plus rester ici après ce qui s'est passé. J'ai très peur. Qu'il se passe quelque chose de fâcheux. J'ai envie de repartir aux États-Unis, Suani. Saloni, je te comprends très bien, mais... Non, Suani, tu ne me comprends pas. En fait, personne ne peut comprendre ce que je ressens. J'ai peur de créer des problèmes si jamais je reste plus longtemps dans cette maison. Il pourrait y avoir des conséquences très graves et je ne veux pas qu'il y ait des problèmes à cause de moi. Je veux partir d'ici, et le plus tôt sera le mieux. Mais Raoul n'a pas envie de partir d'ici. Je ne sais pas comment je vais pouvoir le convaincre de... Saloni. Écoute, si tu es contrarié à ce point, je ferai tout pour t'aider à retourner aux États-Unis. Mais en attendant... Qu'est-ce qu'il y a, Suani? Qu'est-ce qui se passe avec Saloni? Rien, Choub. Elle disait juste que... qu'elle s'était beaucoup attachée à cet endroit et que rien que l'idée de partir d'ici la rendait triste. C'est pour ça qu'elle a l'air un peu perturbée. C'est tout ce qu'il y a. Eh bien, ce n'est pas un problème. Si tu veux, tu peux rester plus longtemps. Ne t'inquiète pas, ça nous dérange pas. En fait, je suis venu vous chercher toutes les deux. Ange veut que tout le monde se réunisse dans sa chambre. Il peut nous voir dans sa chambre? Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que vous auriez tort de ne pas vous joindre à nous. Mais pourquoi dans sa chambre? Parce que tout le monde est déjà là-bas et en fait, il manque plus que vous deux. Choub, on vous rejoint dans un instant. D'accord. Saloni, qu'y a-t-il? Tu as l'air contrarié par ce que Choub vient de dire? Est-ce que
Tu me caches quelque chose ? Non, pas du tout, Swanny. Je ne te cache rien, je t'assure. Tu te trompes. D'accord. Alors essaie de te comporter normalement. Sinon, tout le monde va voir que... quelque chose ne va pas chez toi. D'accord, Swanny. Très bien. Je vais préparer un café avant d'aller dans la chambre d'Ange. En attendant, tu peux prendre du lait pour Virage. Hein ? Juste une minute. Pourquoi elles sont si longues ? Les femmes sont toujours en retard. On ne les changera jamais. Ah, Gayatri arrive. Regarde-le. Il est tellement content de la voir. Et nos femmes, alors ? On ne compte pas pour elles ou quoi ? J'ai raison, Choub. Nous voilà, le café est prêt. Merci, Swanny. Franchement, j'avais justement besoin d'un bon café. Ah bon ? Ce n'est pas de Saloni dont tu as le plus besoin ? Il a plus besoin de café que de toi. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour passer plus de temps ensemble. Nous sommes ici pour mieux nous connaître et pour nous amuser. Bon, pour ce qui est de s'amuser, on n'a pas beaucoup de choix. Je propose qu'on joue à un jeu tous ensemble. Ah ah, d'accord. Hein? Si on jouait à un attaque... Oui. Non. Je suis trop nul en chanson de film. Si on jouait à action ou vérité alors. D'accord, on joue à action ou vérité. Qu'en dites-vous ? D'accord, Raoul. Mais je ne connais pas les règles du jeu. Ah, c'est simple. Tu dois choisir entre action ou vérité, d'accord ? Si tu choisis vérité, un autre joueur va te poser une question et tu devras répondre. Ah, et il a le droit de te demander tout ce qu'il veut, sans exception. Tu dois y répondre de la manière la plus honnête. Si tu choisis action, un joueur va te demander de faire quelque chose et tu seras obligé de le faire. Tout ce qu'il veut ? Oui, tout ce qu'il veut. Alors, on commence le jeu ? Je vais mettre de la musique. Anche, passe le coussin. Ah, c'est Choub. Ce n'est vraiment pas juste. Frangin, tu n'as pas le choix. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Action ou vérité ? Vérité. Je te préviens. Ça peut être une question très difficile. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Vous pouvez poser votre question. Vas-y, toi. Pourquoi tu ne la poserais pas ? Oui. Moi ? Qu'est-ce que je peux lui demander ? Vas-y, Swanny. C'est l'occasion rêvée de connaître tous ses secrets. Et quels secrets ? D'accord. Laissez-moi réfléchir. Suppose que tu apprennes un secret qui pourrait changer la vie d'une innocente pour toujours. La vérité risque de détruire la vie de cette fille innocente. Mais il y a des chances pour que ça blesse un de tes proches juste parce que tu lui as caché. Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas ? Tu révèles le secret ou bien tu le caches à tout le monde ? Si la vérité bouleversera la vie d'une personne innocente, alors, je préférerais pour son bien garder le secret. D'accord, on continue le jeu. Mets la musique, Raoul. À toi ! C'est à ton tour maintenant, Raoul. Action ou vérité ? Vérité ? Saloni, si tu lui posais la question... Oui. Raoul, suppose qu'un de tes proches te confesse une erreur qu'il a faite dans le passé et qu'il te demande pardon. Est-ce que tu le pardonneras, dis-moi ? Quelle question sérieuse ! On est en train de jouer là ou quoi ? Ben, ça dépend de l'erreur en question. Si ce n'est pas grand-chose, je pourrais vivre avec. C'est une manière de voir les choses. Mais si c'est une erreur grave, non, je ne le pense pas. Ok, on remet la musique, c'est parti.
C'est à ton tour maintenant. Eh oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce ne sont que les garçons qui jouent? Gayatri, à toi de poser une question. Moi? Mais qu'est-ce que je vais lui demander? On a grandi ensemble. On n'a aucun secret l'un pour l'autre. Mais c'est ridicule. Certaines personnes peuvent cacher ces choses. Même si tu as l'impression qu'elles sont franches avec toi, en fait. Vraiment? Il est possible, par exemple, qu'Ange ait eu une relation avant de se marier avec toi. Raoul, je n'ai aucun doute sur Ange. D'accord. Alors je vais lui demander moi, d'accord? Dis-moi, Ange, as-tu eu une aventure ou une relation avec une femme avant ton mariage? Mon Dieu, j'ai peur quand je te souvienne de toutes ces choses. Aide-moi, Seigneur, je t'en prie. Non, Raoul, je n'ai pas eu de petite amie pendant mes études. Je n'ai jamais eu de relation avec une femme avant. Menteur, c'est du mensonge. Même moi, j'ai rencontré une de tes petites amies. Je l'ai vue pendant notre lune de miel. Elle s'appelle Sarah. Vous voyez, je vous avais dit qu'on s'amuserait. Non, Raoul, c'était juste une copine de fac, rien de plus. Entre nous, il s'est rien passé. C'est faux! Eh bien, moi, je vais vous révéler un autre de ses secrets. Croyez-le ou non, mais vous savez comment il se faisait appeler quand il était étudiant? Krish! Sarah n'a pas arrêté de le dire. Salut, Krish! Au revoir, Krish! Arrête, elle m'a tapé Gayatri. Sur les nerfs! Même si tu n'as pas eu de relation sérieuse, je suis sûr que tu as dû avoir des petites aventures sans lendemain. Tu as sûrement rencontré quelqu'un à une fête, non? À quelle date as-tu fini tes études? En 2005. Cette année-là, je suis allé dans le Missouri. On a assisté à une fête là-bas. Je ne me souviens plus exactement. Ah si, je m'en souviens. Saloni. Je t'ai dit que je t'avais vu déjà avant, n'est-ce pas? Je crois que c'est à cette fête que je t'ai vu. Je ne sais plus trop quelle fête c'était. Non, non. Je ne pense pas, non. C'est impossible de t'avoir rencontré avant. Pourquoi pas? Tu as fait tes études dans le Missouri, non? C'est possible que vous vous soyez retrouvés dans la même soirée. Oui, oui, j'ai même des photos de cette soirée avec moi. Tu es sûrement sur ces photos. Je vais les chercher. Hmm? J'ai trouvé. Je n'ai pas revu ces photos depuis toutes ces années. Aujourd'hui, on va les regarder tous ensemble. J'ai peur. J'ai peur quand je me souvienne de l'incident en revoyant les photos. J'ai peur qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé cette nuit-là. Seigneur, j'ai de gros problèmes. Je suis désolé, Raoul. Regarde ce que tu as fait. À quoi tu pensais? Laisse tomber, Raoul. Tu ne vas pas t'énerver pour ça. Mais pourquoi Saloné a fait exprès de renverser le café? Elle l'a fait juste au moment où Ange allait montrer son album. Cet album renferme un secret. Calme-toi, Raoul. Ce n'est pas grave. Je crois qu'on ferait mieux de conclure notre petit jeu maintenant. Si on continue de parler pendant toute la nuit, c'est sûr que grand-mère ne sera pas contente. Je crois que ça suffira pour aujourd'hui. Tu as sûrement raison, Swanny. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.
Ange, Gayatri, donnez-moi vos tasses. Vous pouvez y aller. Je vous rejoindrai une fois que j'aurai nettoyé. Ça veut dire qu'Anche avait raison. Il a bien rencontré Saloni auparavant. Il l'a rencontré pendant la fête dont Saloni m'a déjà parlé l'autre jour. Il y a 5 ans, je suis allée dans une fête de la Saint-Sylvestre avec des amis à moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'après cette nuit-là, ma vie serait complètement bouleversée. J'ai eu si honte de moi. Je suis tombée enceinte. Grand-mère, j'ai un peu mal à la tête. Je vais prendre des médicaments. Après ça, j'irai voir tout le monde. Tu ne comprends rien ? J'étais juste pressée, c'est tout. Je ne vois pas où est le problème. En fait, je suis venue vous chercher toutes les deux. Ange veut que tout le monde se réunisse dans sa chambre. Il veut nous voir dans sa chambre ? Mais pourquoi ? Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu hier. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, cette histoire risque de détruire plusieurs vies. Non. Il ne faut pas que ça arrive. Je dois absolument parler à Saloni. Oui. Je vais tirer cette histoire au clair. Écoute-moi, Raoul, attends. Toi, tu te tais. Où sont les autres ? Où sont les autres ? Venez, tout le monde. Mon oncle, Choub, mais où sont-ils ? C'est incroyable, Choub ! Que se passe-t-il, chérie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ça va ? Où sont Choub et mon oncle ? Je veux qu'ils viennent tout de suite. Ils sont sortis, ils avaient quelque chose à faire. Pourquoi tu cries comme ça ? Calme-toi un peu, s'il te plaît. En fait, j'ai été trahi. Quelqu'un m'a dérobé 1 million de roupies. Ils étaient dans mon placard. Quelqu'un me les a dérobés. Un million ? Chérie, qu'est-ce que tu racontes ? Cet argent n'a pas pu être volé dans cette maison, ni en famille. Je ne sais pas qui a pu faire ça. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le voleur est parmi nous. Et ça peut être n'importe qui ici. C'est sûr que c'est quelqu'un parmi nous. Raoul, arrête. Quoi ? Tu crois que je mens ? Dans une maison où les serviteurs sont traités en maîtres, c'est tout à fait possible, j'en suis sûr. Stop ! Arrête de dire n'importe quoi maintenant ! Comment oses-tu dire une chose pareille ? Mesure tes paroles ! Non mais qui es-tu pour me parler comme ça ? Maintenant, dites-moi qui est le voleur. Sinon, chaque membre de cette famille en subira les conséquences. Je serai obligé de fouiller tout le monde. Tu es sérieux ? Mais... D'accord. Comme vous voulez. Je vais appeler la police tout de suite. Ça suffit, Raoul. Qu'est-ce que tu veux ? Que la maison soit fouillée ? C'est absolument hors de question. Non mais dis-moi, pour qui est-ce que tu te prends ? Ça ne va pas arriver. Tu m'entends, ça ne va pas arriver. Pour qui est-ce que tu nous prends, nous ? Soigny, arrête. Surveille un peu ton langage, s'il te plaît. Je regrette, grand-mère. Mais il ne faut pas dépasser les bornes. Et Raoul les a largement dépassés aujourd'hui. Je veux juste le remettre un peu à sa place. Alors qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? C'est fouiller la maison ? C'est ça ? Ok, vas-y.
Fais comme tu veux. Mais dis-toi une chose. Si tu veux fouiller cette maison, il va falloir que tu te fouilles d'abord toi-même. Mais qu'est-ce que tu dis enfin? Tais-toi! Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu insinues? Non mais qu'est-ce que tu crois? Que j'aurais volé mon argent moi-même? Pourquoi pas? Tu es un homme cupide? Je suis sûre que tu l'as caché toi-même quelque part. Et tu joues cette scène uniquement pour nous faire croire qu'il s'agit d'un vol. Comme ça, tu nous accuseras tous d'avoir volé ton argent et tu exigeras qu'on te rembourse la somme volée. Quoi? Laisse tomber, Swanny. Ça ne sert à rien de se disputer. Il n'y a plus aucune raison de se disputer. En effet, tu as raison. Puisque d'après elle, ce serait moi le voleur. C'est quand même incroyable que c'est moi qu'on accuse d'avoir volé mon propre argent. Vous m'avez tous tendu un piège. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Je suis venu spécialement des États-Unis. Et ça tout simplement parce que vous m'avez téléphoné. Téléphoné? Mais enfin, de quoi tu parles? Hein? Qui est-ce qui t'a téléphoné? Arrête de faire comme si tu n'étais pas au courant. Je sais très bien que c'est toi la responsable de tout ça, alors tais-toi maintenant. Mon chéri, qu'est-ce que tu dis? Je n'y comprends absolument rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait, mon chéri? Tu m'as trahi, toi ainsi que tous les autres aussi. Vous m'avez appelé pour une histoire de transaction, et j'ai été forcé de venir ici. Mais moi, si j'ai fait ce voyage, tu vois, c'est pour voir tout le monde. Vous m'avez donné de l'argent en prenant cette transaction pour prétexte. Et moi, je vous ai fait confiance. Et maintenant, vous m'accusez d'avoir volé mon propre argent. Mais vous m'avez tous trahi, tout simplement. Maintenant, je vois clairement dans votre jeu. Mais c'est terminé. Je ne me ferai plus jamais avoir. Je rentre aux États-Unis. Je rentre immédiatement et je ne reviendrai plus jamais. Ne fais pas ça, mon chéri. Je t'en supplie, mon chéri. Ne fais pas ça. Tu viens de prendre la bonne décision. Personne ne te retient ici. Tu peux partir. Parce qu'un homme cupide comme toi n'a pas sa place dans cette famille. Tu m'entends? Ni dans ce pays. Toi, tu donnes plus d'importance à l'argent qu'à ta propre famille ou aux traditions. Je ne supporterai pas une journée de plus qu'un homme comme toi reste dans cette maison. Mais enfin, tais-toi! Qu'est-ce que tu dis? Raoul! Raoul! Pas Raoul. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Dieu? Pourquoi tu me fais ça, mon Dieu? Pourquoi m'infliges-tu cette horrible épreuve? Je préfère être morte que d'assister à ça. Qu'est-ce que tu dis, grand-mère? Que s'est-il passé? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui s'est passé exactement? Swanny, Gayatri, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, parlez! Pourquoi tu ne me demandes pas moi? C'est moi qui suis concernée! Ta femme, Swanny, a osé insulter Raoul devant tout le monde. Elle l'a accusé d'avoir volé de l'argent de son propre placard. Et elle lui a demandé tout simplement de partir de la maison. Elle a dit qu'il la dégoûtait. Tellement qu'elle ne voulait plus jamais qu'il revienne parmi nous, tu te rends compte? Raoul me respectait infiniment avant tout ce qui s'est passé. Mais maintenant, ta femme, Swanny, a tout gâché. Dis-moi pourquoi tu as fait ça! Tu as tout gâché avec ton comportement, tu as tout gâché! Comment as-tu osé me faire ça, espèce d'inconsciente? Pourquoi tu ne me laisses pas vivre en paix avec ma famille? Grand-mère! Qu'est-ce que tu dis? Arrête ça! Non, je ne laisserai pas Raoul partir, je vais le supplier. Il est de rester avec nous. Je ne le laisserai pas partir. Raoul! Tu ne peux pas me laisser. Ne pars pas, mon chéri. Saloni, attends. Il faut absolument que je te parle. Donc,
Raoul a enfin décidé de rentrer aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il veut partir. Est-ce que tu es contente de cette décision? Oui. Tu y seras probablement dès demain, n'est-ce pas? Toi, ce que tu voulais, c'était rentrer aux États-Unis le plus tôt possible. Tout ça pour ne pas créer des problèmes. Tu dois être très contente que ton secret ne soit pas révélé. Enfin, de quoi tu parles, Swanny? Je parle de ça. Dis-moi, Saloni, c'est bien ça la vérité que tu as cachée à tout le monde? Cette photo... C'est pendant cette fête que ce fameux incident a eu lieu, n'est-ce pas? Tu as rencontré Ange pendant cette fête, n'est-ce pas? C'est avec Ange que tu as passé la nuit, c'est vrai ou pas? C'est Ange, le père de ton premier enfant. J'ai raison, Saloni? Maintenant, tout devient plus clair pour moi. La façon dont tu essayais d'éviter Ange et la façon dont tu évitais de le regarder droit dans les yeux, je le sais depuis le début. Hier soir, quand Ange s'est rappelé qu'il t'avait rencontré dans une fête en 2005, toi-même tu m'as dit que tu avais connu cet homme. Pendant une fête en 2005, tu avais couché avec lui cette nuit-là. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai tout compris. La vérité m'a éclaté au visage. Ange est le père de ton premier enfant. Avoue-le. Allez, Saloni, dis quelque chose. Allez! C'est la vérité, n'est-ce pas? J'ai bien raison. Oui, Swanny, tu as raison. Crois-moi, Swanny, je t'en prie. Je n'en savais rien du tout jusqu'à maintenant. J'avais entendu le nom de Ange plein de fois ici. Mais ça ne faisait aucune différence pour moi. Je n'aurais jamais imaginé, Swanny, que mon passé reviendrait me hanter de cette façon. C'est uniquement pour ça que je voulais rentrer aux États-Unis le plus tôt possible, Swanny. Je voulais accomplir tous les rituels avant qu'Ange et Gayatri ne reviennent de leur lune de miel. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, ils sont rentrés plus tôt que prévu. Mais heureusement, Swanny, Ange n'a aucun souvenir. J'espère de tout cœur qu'il ne se rappellera jamais de cet incident. Je n'ose imaginer ce qui se passerait sinon. Je t'en supplie, Swanny. Tu ne dois le dire à personne. Swanny, je t'en prie. Je t'en supplie. Aie pitié de moi, Swanny. S'il te plaît. N'aie pas peur. Non seulement je ne dirai rien, mais je te promets aussi qu'il ne t'arrivera rien. Parce que je sais que ce qui s'est passé cette nuit-là n'était qu'un accident. Même si tu es entièrement responsable, tu ne peux pas être puni pour ça, Saloni. Swanny? Oui, Saloni. Je sais que ça affecterait beaucoup la relation entre Ange et Gayatri, ainsi que ta relation avec Raoul. Tout serait fichu.
et je ne veux pas que ça arrive. J'ai fait exprès tout à l'heure d'insulter Raoul. Je voulais qu'il m'en veuille et qu'il décide de rentrer aux États-Unis. Et ça a marché. Il a enfin décidé de rentrer aux États-Unis. Donc, tu as fait tout ça exprès pour moi, Sunny? Je n'avais pas le choix, Saloni. J'ai découvert ce qui s'est passé entre Ange et toi. J'ai découvert aussi que tu avais volé cet argent afin de faire taire ce maître chanteur. Avec tous les problèmes que tu as, j'ai été obligée d'agir de la sorte. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que tu es passée pour la méchante devant tout le monde? Quel genre de femme es-tu, Swanny? Personne ne fait de tels sacrifices de nos jours. Je ne sais pas comment te remercier. J'ai une telle dette envers toi, Swanny. Je n'oublierai jamais, jamais ce que tu as fait pour moi. Merci. Ne dis pas ça, Saloni. Ne dis pas ça. Tout ce que je veux, c'est que Dieu vous accorde. À toi et ton mari, un bonheur éternel. Swanny. Ma mission n'est pas encore terminée. Il faut encore que je m'occupe d'une chose. Je te demande de te calmer. Fais-le au moins pour moi. Arrête d'être aussi têtu. Ne pars pas comme ça. Raoul, il n'y a pas de coup monté contre toi. Il est possible qu'un étranger soit entré pour te voler ton argent. Tu aurais tort de quitter cette maison à tout jamais pour un simple malentendu. On devrait en discuter et essayer de trouver une solution. Raoul, essaie de comprendre mon point de vue. Grand-mère, Saloni, pourquoi tu ne parles pas? Dis-lui qu'il aurait tort de partir. Ça serait de la folie de partir et de laisser grand-mère dans cet état. Qu'est-ce que tu attends? On va être en retard. J'ai déjà réservé les billets, on s'en va aujourd'hui même. Allez, dépêche-toi! Ne dis pas ça, je t'en prie, pense à ta grand-mère. De quoi? De quoi parles-tu? Dis-moi à quoi j'ai droit ici, hein? Des mensonges? Des insultes? Et tu veux encore que je reste après tout ça? Écoute, Raoul, c'est vrai que Swanny n'aurait pas dû agir comme ça avec toi. Mais je suis sûr qu'elle ne l'a pas fait exprès. Je suis sûr qu'il y a un malentendu quelque part. Il n'y a pas de malentendu! Tu peux me croire, elle l'a fait exprès! Elle n'a pas arrêté de l'insulter! Elle veut absolument que Raoul s'en aille et me laisse! Elle a toujours été jalouse de mon bonheur! Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu exagères la situation? Mais c'est trop tard! Tout est déjà hors de contrôle! Elle a blessé Raoul dans sa fierté! Alors c'est à elle de faire quelque chose pour l'apaiser! Fais-la venir ici tout de suite et demande-lui de présenter des excuses à Raoul. Sinon, Raoul ne remettra plus jamais les pieds ici. Allez, vas-y, va la chercher. Ne dis pas ça, grand-mère. Swanny est notre aînée. Mais tais-toi, Saloni, tais-toi. Un aîné ne doit jamais oublier les convenances, jamais de la vie. Choub, écoute-moi bien attentivement. Si jamais Raoul s'en va de cette maison, sache que je ne pardonnerai jamais à Swanny. Je maudirai ta femme jusqu'à la fin de mes jours. Raoul, s'il te plaît, pourquoi tu ne lui dis pas que ce n'est pas juste? Je me fiche de tout ça, c'est pas mon problème, ok? Allez, qu'est-ce que tu attends? Allez, va-t'en! Fais-la venir tout de suite, maintenant! Pardonne-moi, Swanny. Tu vas devoir vivre dans beaucoup de souffrances à cause de moi. Qu'est-ce que tu dis, ma tante? Comment peut-il y avoir un voleur dans cette maison? Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à demander aux autres. Ils sont tous témoins. Et pour couronner le tout, Swanny a accusé Raoul de vol. Elle l'a insulté, elle l'a traité de voleur. C'est pour ça qu'il s'en va. C'est pour ça. Swanny n'a pas arrêté d'accuser Raoul. Swanny a accusé Raoul? Non. Je ne peux pas le croire. Swanny ne ferait jamais ça. Ah! Elle ne ferait jamais une chose pareille? Donc tu préfères croire ta belle-fille, mais pas ta propre tante? J'irai brûler en enfer si jamais j'ai tort! Raoul, chérie, ne me quitte pas comme ça, je t'en supplie. Raoul,
Je t'en prie, ne pars pas. Je t'en supplie, reste ici avec nous, s'il te plaît. Tu me fais perdre mon temps et je ne reviendrai pas sur ma décision. Ah, Choup, où est Swanny? Demande-lui de s'excuser. Il changerait peut-être d'avis. Je t'en supplie, dis-lui de venir. Si jamais Raoul s'en va, je ne lui pardonnerai jamais. Tu sais, je maudirai ta femme jusqu'à la fin de mes jours. Tu comprends? Tu m'as bien entendu? Grand-mère, ne dis pas ça. J'ai parlé à Swanny et je suis sûr qu'elle va venir. Si tu lui présentes tes excuses, il restera peut-être. Je te supplie de l'empêcher de partir. Swanny, Raoul est sur le point de quitter cette maison. Tu sais que ça faisait longtemps que grand-mère attendait son retour. Elle pense que si tu lui présentes tes excuses, il reviendra peut-être sur sa décision. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu ne vois pas qu'on va être en retard? Allons-y, allez, on y va. Je t'en prie, présente-lui tes excuses, empêche-le de partir. Je te supplie de l'empêcher de partir. Il va partir pour toujours, il va partir pour toujours à cause de toi. Je t'en supplie, écoute-moi s'il te plaît, fais quelque chose, fais quelque chose.